Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Portrait de Poissonnier sur TV Poisson Corail, produit par le premier groupement national d'artisans poissonniers. Allons à la découverte de 10 professionnels passionnés dans 10 villes de France. Et aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Marc Morin de la poissonnerie Morin Marais à Albi dans le Tarn. La poissonnerie est ouverte depuis 1998, accompagnée de mon épouse Marie-Madeleine et bientôt la succession des enfants Fabien et Caroline. Morin Marais est une entreprise familiale. Autour de Jean-Marc et son épouse, œuvrent aussi les enfants. Pour Jean-Marc, le métier de poissonnier est avant tout une aventure familiale. Poissonnier aujourd'hui, c'est un excellent métier, c'est un très beau métier. Très dur, il faut être vaillant, mais poissonnier aujourd'hui, il faut être gestionnaire. La poissonnerie Morin, elle est née d'une passion du produit frais. La rapidité, on achète aujourd'hui, on vend demain. La poissonnerie chez nous, c'est une histoire d'entreprise, c'est une histoire de famille. Et Fabien est tombé dedans tout petit, puisque à l'âge de 10 ans, il était déjà passionné par les produits de la mer. Pour Fabien, la nouvelle génération de chez Morin Marais, le métier de poissonnier passe par un développement du service traiteur, mais de qualité. L'avenir de la poissonnerie, c'est avec du plat préparé. Du plat préparé essentiellement. La nouvelle tendance, c'est que le consommateur n'a plus le temps de cuisiner. Donc à nous de lui apporter ce qu'il a besoin, c'est-à-dire un plat tout fait, mais après avec une matière première qui est quand même sélectionnée à la base. Amener un produit qui est prêt à manger ou prêt à chauffer tout simplement, mais en gardant quand même le contrôle et le respect de la matière première. Matière première qui est le poisson, mais qui est aussi l'accompagnement, les légumes. Donc après, tout ce qui est, par exemple, les légumes, nous, on travaille en partenariat avec une association qui est sur Albi, qui nous fait du légume selon la saison, selon ce que la nature a bien voulu donner. Ils nous fournissent les légumes et nous, on les travaille, on les sublime avec notre poisson. C'est un vrai contrat de confiance. Tel est le message envers les consommateurs pour Jean-Marc. Pour le consommateur, je dirais qu'il faut qu'il nous fasse confiance. Le poissonnier d'aujourd'hui, tel que je le conçois, n'est pas là pour faire des petits arrangements ni pour estourbir le consommateur. Il est là pour être carré, honnête, propre, croire en son produit, parce que nous avons encore d'excellents produits. Nous devons défendre la petite pêche et il faut arrêter de croire au Père Noël et des histoires de filets de perche ou des élevages intensifs et tout ça. Merci d'avoir regardé Portrait de Poissonnier sur TV Poisson Corail. N'hésitez pas à le partager auprès de vos amis pour le faire découvrir. Attendez, une petite anecdote pour la fin. Bon allez, pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand les enfants étaient tout petits, Caroline devait avoir 5-6 ans, et jouaient tous les deux avec un petit crabe vert attaché avec une petite ficelle.